On pense souvent que fabriquer sa propre crème hydratante pour le visage, c'est compliqué, ça prend du temps, ça sert à rien. Eh bien non, détrompez-vous, c'est aussi simple que de cuisiner une quiche aux poireaux. Alors pour cela, il vous faut une cuillère à soupe de sirop d'abeille pour solidifier la crème, 50 g de beurre de karité, ça va permettre d'hydrater le visage, et ensuite vous prenez une cuillère à soupe d'eau de rose. L'eau de rose est parfaite, très régénérante pour la peau. Elle lutte contre le vieillissement. C'est parti pour la recette. Au bain-marie, vous mettez la cire d'abeille, le beurre de karité et l'eau de rose. Vous mélangez le tout, vous faites fondre jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ensuite, vous retirez du feu. Après, dans un pot propre, bien entendu, vous versez le contenu, vous laissez refroidir et vous le mettez au réfrigérateur. Et le petit plus, 10 gouttes d'huile essentielle de romarin. Le romarin est un antioxydant, c'est parfait pour la peau. Vous pouvez la garder 3 mois au réfrigérateur. Si vous avez d'autres astuces, d'autres bons plans, des recettes, des modifications, des améliorations, n'hésitez pas à tout partager sur le comptoir de la débrouille. C'est un groupe Facebook où justement on échange nos bons plans. Salut !